Le torchon brûle en Israël au sujet du drapeau palestinien et la paix semble bien loin. Le 1er juin dernier, les autorités retirent le drapeau rouge, noir, vert et blanc d'un immeuble de Tel Aviv, accroché là par des militants de l'amitié entre les peuples palestiniens et israéliens. Israël est en passe d'adopter une nouvelle loi pour interdire le drapeau palestinien dans les institutions financées par des fonds publics. Mais au-delà, ce drapeau est de moins en moins accepté dans ce pays qui abrite 20% de Palestiniens. Arraché à plusieurs reprises par des extrémistes ou les forces de l'ordre, comme lors de l'enterrement de la journaliste d'Al Jazeera. Lors des accords de paix d'Oslo en 1995, le drapeau a été reconnu comme le drapeau de l'autorité palestinienne. Mais depuis plusieurs années de relations à nouveau glaciales, il n'est plus le bienvenu. Au cours des 10 dernières années, le drapeau palestinien est devenu une menace pour la société israélienne, en particulier pour les gens de droite ici en Israël. Ils utilisent le drapeau israélien afin de montrer leur nationalisme ou leur patriotisme, pas seulement pour l'État d'Israël, mais pour la terre d'Israël. Et ils ne comprennent pas que parmi nous vivent des Palestiniens. Le drapeau, c'est le moyen de marquer son territoire. Quand les extrémistes israéliens manifestent avec le leur, un drone transporte un drapeau palestinien au-dessus de leur tête. Alors que les pourparlers de paix ne sont plus qu'un lointain souvenir et que l'occupation se prolonge, la bataille autour du drapeau montre à quel point le statut d'État palestinien est loin d'être une réalité.